Et bonjour à tous, c'est l'ami Fob à l'appareil. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Merci de le demander. On se retrouve sur 7 Days to Die. On est jour 33. Dans 2 jours, il y a la Horde. On n'est pas du tout prêt, hein, puisque j'ai pas du tout touché à la base. J'ai fait beaucoup d'exploration avec les mini-motos. J'ai voulu un petit peu quand même en termes de matériel, vu que je suis passé à l'acier maintenant, notamment au niveau de la masse. Mais voilà, je suis encore. Je me sens pas prêt pour la Horde. Mais de toute façon, je vois pas ce que je peux faire de plus pour le moment. Vraiment pas beaucoup de ressources en termes électriques et mécaniques, donc ce qui me permettrait de faire l'électricité. Ça paraît beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Je m'y mettrai, je pense que je vais aller faire ce que j'ai dit juste avant. Hein. Pour le moment, je vais aller faire la petite quête là et voir lui s'il a un bécher. Et après, je ferai l'infestation peut-être si j'ai le temps. Et donc on est parti là-dessus. Il faut peut-être que j'active la bonne quête. Merde, j'ai tapé ma moto. Putain. Chien de merde. Il y en a un deuxième. Oh putain. Ok, ça c'est du start. Vite. On rentre là-dedans. On va manger du miel. Et j'ai quoi? J'ai un os cassé, ça commence bien. Os cassé, c'est avec ça. Utiliser. Non, c'est pas avec ça. Entorse à la jambe. Croix sautée, hein, davantage de coups critiques. Une jambe cassée. Ouais, bah j'entends, mais. Est-ce qu'il faut une attelle? Ça sert à quoi du coup? Soigne un bras ou une jambe cassée. Ouais, donc c'est ça, il faut une attelle. Merde. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y avait deux chiens directs comme ça quoi. Il y en a un troisième. Il y en a un cinquième là-bas. Ok, bon, j'ai déjà soigné ma jambe. Ah ouais, non, je peux rien faire. Ah ouais, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Raté. De bouger dans tous les sens. J'ai compris, je vais me rattraper. En fait, il y a effectivement il y a une horde de chiens qui a spawné près de ma base. Oh, putain, le salaud. Et la horde de chiens, elle m'a piqué hein, dès le début comme ça. Viens là. Horde du matin, chagrin. Sauter en hauteur pour vraiment te péter la guibole et mettre un plâtre. Ah, 7 minutes, on va tenir comme ça. Ah, il faut du bois pour réparer l'arc. Ok, bah c'est le pire start du monde. Enfin, non, c'est pas le pire, j'ai déjà fait bien pire que ça, mais. C'est pas un super start. Ouais, vas-y, petit lapin, viens, viens. Pas de soucis. Tac. Tac. Devoir se réparer l'arc. Ok, allez, cette fois c'est la bonne. Bon, après la jambe va guérir sur la moto, même si j'accélère, je crois. Du coup, j'ai perdu 1 heure en fait, c'est ça qui m'embête. J'en suis de ça, est-ce que. Non, j'avais pas fabriqué de deuxième robot pour repousser, c'est dommage. Rappelle-toi de l'ordre qui était bloqué.
Non, c'est un POE près de chez toi dans ta partie en ville. Ah oui, juste, ouais. Les chiens avaient spawn à l'intérieur d'un bâtiment, effectivement. Mais là, je n'ai pas capté, j'aurais dû tiquer hein, s'il y avait un chien, hein, qu'il allait pas être tout seul. C'est un peu comme dans Darktide, hein, quand on croise un Rager, en général, il est rarement tout seul. Je sais pas si j'accélère, si ça me pète encore plus la jambe, normalement non. Ça n'aurait pas de sens. Ok, donc faut que je démonte les bagnoles aussi pour avoir de l'acide, si j'ai bien compris. Je sais pas si c'est dedans ou si c'est en les démontant. Vu la petite madame là-bas, hein, tout va bien. Peu d'acide hein, dans la voiture, malheureusement. En démontant une chance de loot comme le miel dans les arbres, ok. Le fait d'accélérer ne rajoute pas des secondes. Hein. Oh, et direct, hein, il y a un spawn de tigre à dents de sabre juste ici, quoi, c'est horrible. Désolé, ça me fait chier. Ça fait de l'essence au moins dans les voitures entières, ok. Je peux éviter de les buter, hein, ça me dérange pas, j'ai assez de viande, j'ai tout ce qu'il faut. C'est des ennemis quand même dangereux qui me font perdre énormément de munitions d'ailleurs, j'ai pas rechargé. Donc ouais, si je peux éviter de les buter, je le ferai, mais là il est en plein milieu celui-là, il y a un lieu de spawn par ici. Là. J'ai bientôt plus d'essence en 19%. Finalement, ça va. Je pensais que ça allait descendre beaucoup plus vite que ça. Fait, ça descend très vite quand j'accélère. J'ai l'impression qu'il faut pas accélérer, mais en même temps, quand j'accélère pas, bah, c'est long. C'est très très long. En fait, ça s'est bien passé ta bêta test JDR. Ma bêta test. Je sais plus, je fais tellement de JDR que je sais pas laquelle exactement. Il y a une génie qui a été MJ 31 où ça s'est très bien passé. Pour Halloween, c'était super cool. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, effectivement, celle de mon ami Lestat. Ouais, c'était super. C'était super. De toute façon, c'est un super MJ, hein, donc. Et il invente oui toujours des univers. Si farfelus les uns que les autres, même si ça se passe en général toujours dans des univers dits contemporains, l'aventure en soi est toujours créée de toutes pièces avec inspiration de divers médias. Mais oui, c'était super. Ce MJ a un moyen de te faire. Je sais pas comment dire. En fait, c'est un très bon narrateur et ses scénarios sont toujours très poignants, très, très forts en émotion.
quoi, c'était trop bien. On va se mettre l'élimination de rang 1 à suivre. C'est grand ouvert ici. Ah merde, j'ai encore la blessure, faut pas que je cours. D'ailleurs. On va bouffer un coup. Dis-moi que t'es un bécher, monsieur, s'il te plaît. Ah, ça m'arrangerait grandement. Putain. Chier. Est-ce que t'as un creuset? Je crois que c'est déjà venu en fait, maintenant que tu l'as, ça me dit quelque chose. Est-ce que t'as. Marmite, je m'en fous un peu. Ouais, t'as pas grand chose en vrai, mon ami. Hein. Un climatiseur au pire, mais. Alrighty then, on your way. Je sais pas pourquoi la porte était grande ouverte, c'est pas rassurant. Allez, 9 secondes. 6 secondes. On va refermer ici et on va aller faire la quête. Sauf que j'ai aucune idée de comment on y accède. Donc on va y aller de manière un peu empirique. Hein. C'est-à-dire en prenant. Oh là là, il y a encore un puma là. Non, c'est un loup cette fois, ok. On va prendre la route qui est juste là à gauche. En tout cas, j'ai pas froid, ça c'est cool. Malgré que j'ai changé de blouson. Pas chaud dans le désert, j'ai pas froid ici, c'est parfait. J'essaie d'esquiver le loup, hein. Ok, c'est en haut de la montagne. Oh, ça va être bizarre ça. J'espère que c'est bien par là. Typiquement le genre d'endroit où j'aime pas aller, puisque c'est énormément de route pour pas grand chose, il n'y a que dalle à piller. On a vu le puma, hein. Du coup je me barrais s'il y avait juste un bûcheron, je dis pas. Mais là le puma en plus, ça me dit rien du tout qui vaille. Vraiment le pire spot du monde pour faire une quête. Hein. Ça pour un truc niveau 1 en plus. C'est quoi, c'est un observatoire ou... Ah non, c'est une base... style base militaire. On va refaire le plein tout de suite. On fait déjà. Ouvert. Ravitaillé. Donc on va remettre tout ce que je risque pas de trouver dans la maison. Ouais, limite on va tout mettre. Ça rentre large. Merde. Allez, c'est parti. Bon, attention parce que c'est du niveau 1. Mais c'est quand même dans la neige. Donc ça va être un peu tendu. Ah, j'ai pas vu où faire le plein. Mais à coup de pas. Ah, j'ai pas dépensé mes points, effectivement, merci de me le rappeler. Jeu vidéo.
une casquette. Alors voilà, tu dors ou quoi? Regarde. Tu dors, t'es mort, tu connais pas ce jeu? Oh putain. Ça c'est super dangereux. Hein. Ok, il est mort. J'ai fait le malin une seconde et voilà. Ça aurait pu très mal finir, ils sont très dangereux ceux-là. Là ça va que j'ai une masse en acier là qui fait super mal. Puis ça va que les zombies dorment hein, clairement. Il y en a encore un là-haut a priori. Putain, c'est stressant, ne faites pas ça. Ah, on va déjà piller tout ça, qu'est-ce que je viens de ramasser là? Oh, je crois qu'il y avait un bouquin, ok. Les pinces, je suis pas sûr que ça sert à quelque chose d'en avoir 14 000 comme c'est le cas. Ça ne s'ouvre pas. Et là comment je fais? Qu'est-ce qui se casse les gueules comme ça? Pas comment on monte en fait là-haut. Ça? Non. Non, non, non. Plutôt par là en fait. Il y a déjà une échelle. Alors le zombie qui est là-haut va être très casse-pied à affronter. Oh, ça m'enquiquine ce truc. Faire comme ça. Forme, échelle. Tac. Forme. Qui arrive, il dit. On va leur donner une consistance histoire que ça se casse pas tout la gueule dès que je grimpe. Ok. Alors tout ça pour. Ok. C'est un drôle de casque, mais pourquoi pas. Ça c'est cool. Donc c'est 100$ plus le casque. Et des pièces électroniques. C'est pas fou hein, mais en même temps c'était un POI de niveau 1. Putain, ça c'est cool par contre. Marteau robotique qualité 4, truc pour les véhicules, fabrication d'éléments électriques. Ok, bon, mine de rien, les bouquins ça vaut le coup. Ouais, je vais peut-être démonter ça. Ça donne quoi exactement? Un seul suffit pour les pinces, ok. Parce que je crois que ça vaut que dalle. Un peu de fer. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Bon du coup bah c'était naze hein, comme POI clairement. Je m'en doutais un petit peu. On va se mettre tout ça là-dedans. C'est déjà tout plein mais ça faut que j'y revende, faut pas que j'oublie. Et c'est tout ce que j'ai à revendre, ok. Il y a peut-être des œufs là-dedans. Ouais. Et maintenant, comment je pourrais redescendre rapidos? Est-ce que je tente le chemin tout droit? Oh putain, on me souffle dans l'oreillette que c'est une très mauvaise idée. Oh putain. Oh putain, je fais une boulette. Dans un putain de fossé. What? Il a pas touché quoi. C'est pas une bonne idée, merci. Merci beaucoup. Oh doucement, doucement, ça peut aller très très vite les chutes hein. Ah, je pense que je gagne quand même du temps en faisant ça.
Ce qui est bizarre, c'est que j'ai une moto dans une poche. Hein. C'est surtout ça qu'il faut noter. Au passage, j'y arrive, je me récolte quelques plumes. Malheureusement, il n'y a pas de, pas d'œufs dedans. On a un là. Ah ouais, je vais rejoindre la route qui est là-bas. Elle est où la moto? Elle est là. On va tuer celui-là qui m'a attaqué. Ça va que j'ai pu tout ramasser et ramasser ma moto. Hein. Si j'étais plus que plein, ça aurait été catastrophique parce que j'aurais dû jeter des objets. Ah non, le marchand, c'est par là, ok. Oh, il y a un gros shotgun Messiah juste ici, je vais le noter celui-là. Et il y a une voiture pleine. Ouais, j'avoue la moto elle est sous forme de capsule quoi. Et c'est méga stylé. Non, tout ça je prends pas. Du scotch, c'est cool. Fasse gaffe si j'ai de l'acide. Ah, ça s'en est peut-être. Radiateur, on l'étend, non? Bon, ça, je m'en fous. Allez, donne-moi de l'acide. À chier dans ta caisse. Bah, remarque, il y en a plein des voitures là. Ouais, c'est que 11h34, je prends le temps de faire toutes les bagnoles. Là, je vais juste me vider l'inventaire là-dedans. Ah putain, j'ai pris tout ça dedans en plus. Tac. Qu'est-ce que j'avais dit qu'il fallait que je laisse? Des bandages. Ça, c'est pour chez le marchand. Ok, c'est pas mal. Je vais même faire toutes les caisses qui sont là. Me noter shotgun. Allez, on commence par le plus pourri. Pas si c'est que sur les voitures toutes neuves que je peux en trouver ou si c'est sur toutes. Quoi qu'il en soit, là je vais me faire un maximum de pièces et tout. C'est exactement ce qu'il me faut. Ça me fait l'XP un petit peu, c'est bien. Démonter le camion aussi, ce serait génial. Bon, faut que je fasse gaffe quand même, il y a peut-être des mobs à l'extérieur. Il y avait un mob. Bon, l'acide, je crois que c'est sur toutes, mais pas sûr. Ok, tu peux démonter les phares aussi à la plage. Je crois que j'en ai déjà masse à la maison. Ah, c'est possible, ouais. J'avais fait le tri avec le viewer qui m'avait dit ce qu'il fallait prendre ou pas. J'en suis où de la nourriture et tout. Nourriture, il me manque 30, au moins 3, ça fait 27. Je suis large. Juste boire un coup. Je crois que j'ai deux stacks de phares, c'est possible. L'essence, c'est sûr que c'est uniquement avec les voitures qui sont totalement neuves. Okay. Mais je veux tout démonter tant qu'à faire. Je récolte des trucs électriques et tout, c'est pas perdu. J'avoue que s'ils pouvaient me donner 3 acides, là, ce serait top quoi. Que je puisse fabriquer mon atelier de chimie et donc à travers ça fabriquer de l'essence. J'aurais plus besoin de me préoccuper de ça. Oh putain! Aïe!
Allez. Oh la vache. Putain, tu sortais d'où quoi? C'est dingue. C'est là qu'on est content. Ah, je devrais peut-être mettre du miel dans mon truc et pas des antibios. Tac. Le petit bâtard. Ouais, mais grave, il était camouflé dans la voiture ou je sais pas quoi. Pour la peine. Ouais, j'aurais peut-être prendre du miel plutôt dans ma voiture. Me faire moins infecter au-delà de 5%, sinon c'est compliqué. Bon, pour le moment, c'est pas foufou, c'est récolte. Bon, on va laisser ce saut de s'exciter là-bas. Hein. Pas drop une seule quoi. Ouais, je pense que je vais garder les antibios naturels. Vraiment en cas de coup dur. Je suis là, monsieur. Je suis là, monsieur. Oh. C'est dangereux ça. Je vais pas le faire maintenant le shotgun, mais ça sert à rien. J'en ai pas l'utilité. Ah, j'ai récolté pas mal d'essence, hein. Par contre, 1000 d'essence, c'est beaucoup, enfin je crois. Ah, t'as vu un acide passer? Je regarderai à la fin les comptes. Je regarderai à la fin. J'ai dit quoi pour m'en faire avec beaucoup de chance à un pop and pills. Un pop and pills, ce serait bien. Ok. Du coup, résultat des courses, ouais, j'en ai un. Moi, je me suis fait pas mal d'essence. 1 sur je sais pas, une dizaine de bagnoles, j'ai pas démonté le camion. Ouais. Je sais pas si c'est utile en vrai. Là, on va faire ça, histoire de vider correct. Ouais, je suis maniaque, je sais. Allez, on retourne voir le marchand. Juste à côté, vraiment tout proche. En fait, il faudrait que quand les marchands se reset là, que je refasse le tour de tous les marchands pour tout simplement voir s'ils ont pas des béchers, de l'acide, tout y quanti. Ouais, pas mal ça en vrai, même si les bouquins c'est toujours bien. Hein. Et les balles, je commence à être un peu short. C'est chiant à fabriquer, vas-y. Enfin, à mon niveau en tout cas. Provision enterrée, non, on va te faire foutre. Provision enterrée, non. Nord-ouest, ouest. Putain, c'est que des trucs à perpète. Quand Carlson, c'est pas là où j'étais il y a 2 secondes. Interested in a gig? So, you're not interested. I've got a task. Ouais, c'est que des trucs de merde hein, pour le début. Are you out of your mind? Fantastic. C'est la même chose que là où j'étais. Il me renvoie à faire la même quête. Putain, c'est-à-dire faut remonter là-haut et tout, c'est chiant quoi. Tout ça pour rien. Hein. J'avais découvert qu'il y avait pas grand-chose dans ce truc. Est-ce que ça vaut le coup que j'y retourne tout de suite? Ça, j'ai une double récompense. Ça se tente, hein. Vas-y, on va faire ça.
C'est un peu bidon hein, ce système, normalement il est censé pas nous renvoyer, là on a déjà fait une quête mais... Là, en plus c'est le même marchand quoi. On a raccourci ouais pour le retour par contre, parce que l'aller je me vois pas... Puis le raccourci je vais pas pouvoir le pratiquer maintenant parce que mon inventaire commence à être pas mal plein. Il y a une bagnole que j'ai pas faite là à l'aller. Les antidouleurs, merci. Allez, donne-moi de l'acide. Faut que je mange. En plus ça me fait consommer pas mal d'essence d'aller là-haut parce que ben, je suis obligé d'accélérer. C'est bien ça la route? Pas du tout, j'en étais sûr. J'ai raté le chemin. Bon ça aura pas été très intéressant, en plus ça fait 30 minutes de vidéo, je suis pas super optimisé là, je suis désolé. Mais moi voilà, je prendrai le raccourci pour redescendre comme on l'a dit et le camp est vraiment tout petit à nettoyer. Donc, ça devrait aller relativement vite. En tout cas je suis content de pas avoir froid dans le biome montagneux et j'ai pas l'air d'avoir chaud dans le biome désert, ça veut dire que mon stuff est bien. J'accélère comme un tatu, c'est pas grave. Là, je vais repasser par le même chemin, je pourrais pas redescendre par le raccourci, ma moto est trop pleine cette fois. Ah merde, c'est pas le même que tout à l'heure. Je pensais que c'était fixe, ce genre de choses. TG. Putain, il est pas mort. Truc de fou, quoi. Donc on se souvient, il y en a un qui sort du machin qui est là, il y en a... Ah il me cherche même. Oh c'est pas le même que tout à l'heure, oui ok. Parfait. Il y a lui là. Il y a lui qui était là, il y en a un autre là-dedans je crois. Bon, c'est saloperie. On peut avoir des surprises, ouais, bah effectivement, je... J'étais surpris, je m'attendais pas à ça. Ah oui, en plus, je croyais que là où on avait mis des constructions, le PO8 ne pouvait pas être régénéré et renvoyé sous forme de quête. Et vu que j'ai mis une échelle là-bas, je pensais vraiment que ça annulerait le truc, mais non. Alors on va refabriquer une échelle du coup. Tac, tac. Touk. On va aller rechoper les déchets qui sont derrière. Des fois que... Oh, je l'ai raté, c'est moche. C'était moche, c'est dangereux. Les armes automatiques se dégradent 20% plus lentement, c'est bien parce que c'est ce que j'utilise pour le moment. Ah, et cette fois c'est un Savage Country, c'est pas un... ce que j'avais tout à l'heure. Je sais pas ce que ça donne ça.
Des fringues, super. Super quoi, tout ça pour ça. Hop. Oh putain de l'acide, c'est royal. Attends, soit il me manque une bouteille quoi. Les pinceaux, j'en ai déjà plein à la maison. Qu'est-ce que ça donne ça? Pièce électronique, hein, je crache pas dessus. Salut à toi, Oursivrex. Ça va et toi? Ça va rien donner. Ok, bon, on va repartir alors que ça fait deux fois qu'on fait ce POI. Merci le marchand. Touk. Donc j'ai deux bouteilles d'acide, c'est con, il m'en manque juste une quoi. Il y a les modes sur le jeu? Non, il y a zéro mode. C'est l'histoire d'un noob sur 7 Days to Die, donc il y a zéro mode. Sur Naves Gain, chantement en mode découverte, à quoi servent les objets, etc. Enfin, mode découverte jour 33, donc je connais un petit peu, mais c'est tout. Allez, on descend de la montagne à mini-bike. Est-ce que c'est un raccourci, ça? Non, c'est pas un raccourci. Ce serait bien que je dépouille une voiture et qu'il y aille de la cité dedans, ce serait vraiment royal. À défaut de cheval à mini-bike, tout à fait. Oh, les. Ah, j'ai raté le boîte aux lettres. Ok, ça c'est cool. Je sais pas s'il y a un intérêt à tous les lire, hein. Je ferais mieux de les revendre en fait, ce qui m'intéresse pas, mais j'ai pas les connaissances justement pour savoir ce qui est bien ou pas. Puis peut-être qu'un jour, je sais pas, je voudrais passer sur une autre arme ou quoi, donc... Donc voilà, on va tout ramasser, tout apprendre. Alors j'aurai pas le temps de faire du coup la quête Attends, j'ai pas vu le zombie. La quête qui était là, tant pis. Au moins j'aurai avancé un petit peu ma réputation auprès de ce marchand là. Je sais comment, nourriture, tout ça. Ouais, je peux boire un coup. Ça fera pas de mal. Hop. Alors. Poche d'armure, mais c'est un simple. Moi j'aimerais bien un double. Ah, modification de casquette. Donc ça, je peux les mettre sur les casques. Ça peut être pas mal en vrai. Parce que le scotch, je peux en fabriquer. Donc ouais, peut-être partir là-dessus. Peut-être que je fais une bêtise, hein, je sais pas. Récupération. Oh, c'est très très loin ça. C'est pas grave. Du coup. Ah ouais, je peux déjà genre je peux mettre une casquette plus ça augmente ma résistance à la chaleur. Ah et ça aussi merde, ça m'augmente le froid en fait qu'il m'aurait fallu. Ah merde, du coup j'ai acheté ce truc là pour rien. Merde, c'est con. Si j'ai su j'aurais pris le scotch, j'ai pas de ticket. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et je peux pas le... pas le, le... bordel, le recycler, je trouvais pas le mot. Ouais, j'ai oublié d'aller lui vendre ce que j'avais, mais c'est pas grave, ça au pire. Ouais, j'aurais dû prendre le scotch. C'est pas grave, allez, on rentre à la maison avec tout ça et on va arrêter le stream. Non, continuer le stream, mais je vais arrêter l'enregistrement quand je serai arrivé à la maison. Si
pouvais me trouver une case ou deux en attendant, ce serait royal, mais je crois pas vu que c'est des chemins que je parcours déjà depuis longtemps. Ah, il y en a une là-bas. Je crois qu'il y a un tigre dans le sapin aussi par là. Ou un loup. Oh, il y a plein de caisses en fait. Vas-y, on va tenter. Tu as looté un casque en fer, tu pourras mettre le mode pour le rendre plus cher. Ouais, c'est vrai. Je pense jamais à tout ça. Pas encore le réflexe. En même temps, la thune, c'est pas vraiment un problème quoi. Pour le moment. Allez, on va démonter celle-là. Un petit peu d'essence, c'est cool. Et un d'acide, s'il vous plaît. Ah là là, c'est pas cool. Il va m'en manquer juste un. Hein. Allez. Allez. Dommage. Ok. Ouais, j'ai l'impression que ça consomme vraiment énormément d'accélérer. Hein. Enfin, de mettre le boost, entre guillemets. Quand tu vas passer électrique et que tu voudras mettre des panneaux solaires à 60K, que tu trouves chez le marchand, tu seras content d'avoir de la thune. Ah putain, en plus j'en ai déjà vu des panneaux solaires. Hein. Bon, je sais pas combien ils coûtaient, mais... Non, mais je suis ok, hein. C'est juste que j'y pense pas... Je pense pas dans ce sens à les garder pour les améliorer, pour les revendre plus cher. Je prends le pli. Allez, il est que 18h là, je vais vite fait démonter encore des bagnoles. Parce que j'ai vraiment besoin de ces machins d'acide. Oh là là, c'est la loose totale quoi. Je viens de démonter tout un camion. Oh, il y a plein de voitures, c'est bien ça. C'est plus rentable que le bouquin en 100 balles. Pour lire sans me poser la question, ouais, je comprends la logique. On va faire celle-là là-bas. J'ai plus de place. Ouais, ce sont des patates honnêtement. Balek, comme on dit. ~66/75 hein, les bouquins de craft. C'est plutôt pas mal. Ah yes, un acide. Merci monsieur. Je vais pouvoir fabriquer mon atelier de chimie en rentrant à la maison. On va quand même pousser le vis et faire cette bagnole là qui m'a l'air toute neuve. Ça me donne de l'essence en plus, hein, c'est pas perdu. Et j'ai 75 pièces mécaniques, je crois que c'est. Encore un acide, c'est parfait. J'arrive madame, je finis la voiture. Que je puisse sortir ma masse. Voilà. Voilà, pas de soucis. Tac, faut que je répare ça, je suis en train de tiquer. Allez, on est en gourmand, on est en demande un cinquième.
Non, c'est cool, je vais pouvoir me fabriquer ma propre essence. Et d'autres choses, je sais pas à quoi sert l'atelier de chimie en soi. Ok, bon, faut pas trop en demander non plus. Hein. Allez, c'est reparti, on va à la maison. Bon, la vidéo fait 45 minutes, hein, je suis vraiment désolé, mais... La bière, ouais, c'est important, la bière. Ok, il a pas respawn le tigre à dents de sapin qui traîne toujours par là, c'est cool. Bon après c'est cool, hein, je pourrais fabriquer mon atelier de chimie, mais j'imagine que de l'acide, je vais en avoir besoin régulièrement, et donc va falloir que je farme à chaque fois les bagnoles quand même. Hein. Il y en a quelques-unes ici des voitures chez les gens. Ok, on arrive en vue de la maison. C'est parfait. Ok, je regarderai effectivement. Yes! Ouais, je suis pas sûr de pouvoir tout prendre effectivement. Alors, on va faire comme ça, c'est tellement bien ce genre de bouton. Faire ça. Ça. Effectivement, j'ai deux stacks de phares. Je vais regarder les compos et puis voir si je peux en faire quelque chose. Ah. Touk, touk. Allez, on va se remettre juste le nécessaire dedans. Ça, ça. Les antidouleurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dedans? J'ai de quoi soigner tous les maux en gros. Non, ok, je pense. Ah oui, je voulais remplacer les antibiotiques du miel, effectivement. J'aurais oublié. On va faire ça tout de suite avant que ça fasse nuit, tout ça. Allez, trouve-moi lightbox. Faut que je fasse un petit garage pour la moto parce que c'est chiant. Ouais, parce que les antibios naturels sont quand même plus forts et c'est plutôt une bonne chose. On va mettre les graines là-haut parce qu'elles me gênent dans l'inventaire. Ok. Divers. Vert. Ça, c'est pour la revente. Ça c'est pour les véhicules, ça s'en va. Ça va là. Pourquoi il me casse pas? Voilà. Le casque en fer, en acier, je pense qu'il est mieux que le casque que j'ai dans ma base anti-horde là-bas. Oh, que je regarde. Ça c'est pour la revente, ça aussi. Je pense qu'il est bien mieux que celui que j'ai là-bas en fait, faut que je regarde. Batterie, je suis pas mal. On va aller checker ça vite fait, ça à côté. Profiter de ce super souterrain. Hein. Ça me fait penser que j'ai pas mangé depuis longtemps.
Allez, messieurs, on monte. Alors, celui-là, comment il est? Casque recyclé. Ouais, donc c'est pas de la super cam en fait. Celui-là est beaucoup mieux. Touk. Touk. Modifier. On va te mettre ça. La casquette de Gavroche, on s'en fout de mettre ça là-dessus. Enfin, sur le nouveau. On va le mettre là-dessus. Ah si, j'ai un plastron. En fait, j'ai un full stuff acier ici. Je sais pas. Enfin, acier fer, c'est un peu mélangé. J'ai du cuir aussi. Ok. J'ai encore un peu de miel. Ok. Hop là. Peut-être fabriquer un deuxième robot qui tape là. Faut que j'arrive à le penser. Ouais, j'ai le droit d'aller ici. C'est ça que tu me dis. Je suis juste ça. Elle est relativement toujours garée au même endroit. Voilà. Là, celle-là aussi. Hop. Mieux. Touk, ça va être mieux, effectivement. Hop, je peux regarder vite fait les modes ici. Non, j'ai beaucoup de modes d'armes en fait, mais je trouve pas beaucoup d'armes, c'est étonnant d'ailleurs. Enfin, je sais pas si c'est étonnant. Donc, pareil, le casque, il ira là. Ah si, je peux mettre les. Les modes silencieux là, tac. Là il a 269 $, plus ça, il passe à 417. Beaucoup de modes d'armes en fait, de fusils, de choses comme ça. Armes que je n'ai pas, ou les silencieux de pistolet, etc. Donc on met ça là-dedans. On range tout ça. Je me refasse des flèches en fer. Il faut que je me refasse un atelier de chimie. J'ai plein de choses à faire. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, je fais la petite pause ici, du coup, sur le stream. Et je fais la coupure ici pour l'enregistrement YouTube. J'ai aussi le mode pour boire de l'eau sale. Ok, bah, je vais y penser après. Du coup, on va faire la petite pause. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour faire tout plein de choses. Hein, parce qu'il y a toujours plein de choses à faire dans ce jeu. Allez, à toutes.